La deuxième étape consiste à composer des mots. Grâce au son des lettres, l'enfant comprend pourquoi les mots et les prénoms s'écrivent comme ils s'écrivent. Il vous sollicitera alors pour composer les mots qu'il aime. Vous pourrez l'accompagner dès qu'il connaîtra une dizaine de lettres et quelques digrammes. Un des premiers mots que l'enfant souhaitera composer est le mot « maman ». Aidons-le à entendre le premier son de ce mot. Maman. Qu'est-ce que tu entends en premier? Qu'est-ce que ma bouche fait en premier? Laissons l'enfant trouver et placer la lettre M. Et qu'est-ce que tu entends ensuite? Ou qu'est-ce que ma bouche fait ensuite? Regarde. A. Tu entends A. Aidons-le ensuite à placer la lettre A à droite du M. Et ensuite, qu'est-ce que tu entends? L'enfant entend de nouveau M. Il place alors un autre M à droite du A. Enfin, toujours avec votre aide, il entend en et place le digramme en à droite du M. Pour vérifier qu'il ne manque aucun son, vous pouvez, avec l'enfant, refaire le son de chacune des lettres. M, A, M, en. Tu as composé maman. Veux-tu composer un autre mot? Pour les enfants qui ont des difficultés à entendre les sons, à les isoler, il est vraiment très intéressant d'attirer leur attention sur notre bouche. Ils peuvent ainsi voir les différentes séquences de sons sur nos lèvres et mieux les identifier. Chaque boîte de la collection Les Lectures Naturelles propose 10 images pour inviter l'enfant à composer des mots où chaque son peut être codé par un graphème, lettre ou digramme que nous avons listé dans la vidéo précédente. Fourmi. Ou. I. Moto. O. T. O. Ours. Ou. R. S. Vélo. V. L. O. Lorsque l'enfant composera des mots avec facilité, il commencera à se relire spontanément. Bonbon. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment soutenir cette entrée naturelle dans la lecture.